Bonjour, chers et chères francophiles. Comment allez-vous? Je suis Clémence de French with Clémence et dans cette vidéo, je vous parle de la langue française dans le monde. Combien de personnes parlent français dans le monde? Plus ou moins 300 millions de personnes parlent français dans le monde. Où parle-t-on français? On parle français sur les cinq continents. Depuis quand parle-t-on français? Le français est devenu langue officielle en France en 1539. Quelle est l'importance du français dans le monde? Le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde, après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. C'est aussi la langue officielle de plus ou moins 30 pays et c'est la langue officielle des Jeux olympiques. Pourquoi les gens apprennent-ils le français? Il y a beaucoup de raisons. Ils peuvent l'apprendre pour le plaisir ou pour voyager. Avec le français, ils peuvent aussi travailler ou étudier à l'étranger. Par exemple, c'est bien de connaître le français pour travailler dans une entreprise ou une organisation internationale, dans un hôtel ou dans un office du tourisme. Qui apprend le français? Beaucoup de personnes. Il y a plus ou moins 51 millions d'apprenants. Le français est la deuxième langue la plus apprise au monde. Que peut-on faire pour apprendre le français? Vous pouvez lire des livres en français, faire des exercices, écouter des musiques françaises, parler avec des francophones ou aller en France, en Belgique, au Sénégal, au Québec. Est-ce difficile d'apprendre le français? Ça dépend. Pour certaines personnes, c'est difficile et pour d'autres, c'est facile. Y a-t-il des mots d'autres langues dans la langue française? Oui, il y en a beaucoup. Par exemple, en français, on utilise les mots italien, spaghetti, et opéra, les mots chinois kung fu et feng shui, les mots arabes orange et zéro. Il y en a beaucoup d'autres. Et vous, aimez-vous apprendre le français? Pourquoi apprenez-vous le français? Comment apprenez-vous le français? Vous pouvez écrire un commentaire et m'en parler. À plus pour de nouvelles vidéos.